On attaque aujourd'hui un sujet un peu particulier qui est donc le titre c'est Kicking Plane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de jeu au pied, mais pas que, hein, ce n'est pas simplement un outil d'adaptation, un outil pour se dégager, pour s'enlever de la pression ou pour occuper. On va aborder le jeu au pied d'une manière beaucoup plus stratégique, comme un véritable modèle de jeu. Un modèle d'efficacité, un modèle de performance, un modèle pour gagner en fait, hein, donc éviter de prendre des points et se rapprocher pour en marquer. Donc c'est certainement une approche beaucoup plus globale hein, que l'on va envisager aujourd'hui, avec deux chapitres. Une première approche un peu stratégique, un peu réfléchie sur le pourquoi, le sens et comment on peut l'entraîner. Et ensuite une approche avec Briac, plus technique sur la mise en œuvre concrète sur le terrain et les attentes. Les comportements attendus de l'ensemble de l'équipe autour de ce système de performance, ce modèle de performance. Voilà. Donc, je vous invite, ben on va faire un petit tour d'écran. Je vais le prendre en fonction de ce que j'ai devant moi. Présentez-vous, les garçons, et quelles sont les attentes que vous avez sur cette dimension du jeu particulière? Ben Nicolas, pour commencer, par exemple. Moi, je suis conseiller technique de club sur la métropole lilloise pour la Ligue des Hauts-de-France. Ça m'intéresse, la vision évidemment m'intéresse parce qu'on en discutait un petit peu avant. Moi, je souhaiterais un petit peu avoir l'avis des participants là, sur la gestion, l'adaptation tactique en cours de match de la stratégie qui a été mise en place et à l'initiative de qui cette adaptation se fait. Est-ce qu'elle est à l'initiative des joueurs, des entraîneurs? Enfin, comment un peu ça se fait et discuter dans un deuxième temps sur la partie technique, on va dire, sur voilà, échanger un petit peu sur ce qui est fait autour des points de chute tout à l'heure par les Briac, mais voilà, enfin, il y a d'autres choses qui m'intéressent et qui viendront en cours de route, je pense. Parfait. Briac, merci déjà pour l'idée. C'est grâce à toi si on se rejoint aussi aujourd'hui. Ça nous a donné des petites idées au travers de tes clics qui sont top. Donc, beau boulot au loup notamment. Merci Michel. Briac Pouillet, moi je suis analyste vidéo au Loup, à l'association et au centre de formation. Voilà, donc je bosse avec les équipes jeunes et les staffs jeunes pour inclure la vidéo dans la formation des joueurs. Voilà, moi ce que j'attends de la visio, mes attentes, c'est comment dans la stratégie on a pris le jeu au pied pour exploiter les déséquilibres, de se dire qu'on jouait beaucoup le déséquilibre à la main, mais aussi comment on peut les jouer avec le pied. Et voilà, je pense que c'est une partie importante et qui l'Angleterre, il y a un an et demi au tournoi, m'avait beaucoup éveillé ma curiosité là-dessus. Et donc, c'est avec plaisir que si on peut échanger là-dessus, entre autres, je serais ravi. Parfait. Surreprésentation de la Ligora et des Rouges et Noirs avec Johan. Merci beaucoup, Johan, de ta présence en tant que joueur en activité pro et en plus au Yonax. Kicking Plane, certainement fondamental au vu de vos contenus de la saison dernière déjà. Donc, c'est top que tu sois là. Merci beaucoup. Et merci à Sylvain, grâce à lui. Mon copain de Schistora, voilà, pour t'avoir invité. Avec grand plaisir déjà. Johan Le Bourriste, je suis joueur donc à Oyonnax. Je suis passé par Castres, Biarritz et puis La Rochelle en plus jeune. Voilà, c'est un sujet qui me plaît énormément. Moi, je vais attendre un peu ce que pensent les gens du jeu au pied, tout simplement, parce que ça a été un sujet même fâcheux, je vais dire, à Oyo, par les spectateurs, par certains joueurs. Alors que je pense que c'est le rugby d'avenir. Donc c'est sûr que ça plaît moins parce que il y a peut-être moins du jeu, comme on dit, un jeu à la toulousaine ou un jeu de main, donc eux qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Mais je reste assez persuadé que c'est le jeu au pied est un jeu le rugby moderne. Donc voir avec un peu tout le monde, échanger justement pour voir ce qu'on en pense et pour en discuter pendant la réunion. On attend beaucoup de tes apports aussi. Super. Merci. Romain. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis conseiller technique de club pour la Ligue des Hauts-de-France. Comme on le voit derrière toi, effectivement, super. Tout à fait. Je suis sur le littoral. C'est pour ça. La côte, comment La t'appelles? côte d'Opale. Côte d'Opale. Tout à fait.
Et donc, moi, si je participe à cette visio, c'est pour voir effectivement comme l'évolution du jeu au pied dans le rugby moderne. Briac, on a parlé avec l'Angleterre, et donc cette dimension stratégique, et également comment on peut changer un petit peu les mentalités, les discours des éducateurs et de ceux qui pensent que le rugby, ça se joue qu'à la main. Ok, parfait. Dernier participant, merci beaucoup Régis, encore un représentant du haut niveau. Et puis aussi, on disait pour l'expérience anglo-saxonne néo-Z. Donc, merci beaucoup Régis de ta présence. On te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, donc Régis Laspinasse, je suis ancien joueur. Alors je vais pas vous faire la liste des clubs parce qu'on est demain matin encore. J'ai pas eu la chance de pouvoir rester dans les mêmes clubs assez longtemps. En revanche, j'ai eu une expérience en Nouvelle-Zélande qui m'a beaucoup ouvert l'esprit sur notamment l'utilisation du jeu au pied, mais plus que l'utilisation du jeu au pied, sur la philosophie des équipes et comment intégrer ces stratégies de jeu au pied à l'intérieur. Voilà, après, je voulais échanger avec vous aussi sur moi, quand je jouais, qu'est-ce qui m'embêtait dans les stratégies de jeu au pied qu'on avait à l'époque. Ça a beaucoup évolué, on va en parler avec Yohan. Parce que avant, ça reposait que sur le joueur qui joue au pied. Maintenant, on est vraiment sur les stratégies d'équipe, sur soit gagner le terrain, soit récupérer vite le ballon, soit jouer les deuxièmes ballons en contre-attaque. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui sont intéressantes avec les stratégies de jeu au pied. Et puis voilà, moi je suis en train de passer aussi de l'autre côté de la barrière en essayant de coacher un peu les jeunes. Donc du coup, super intéressant pour moi d'échanger avec des gens qui font ça depuis pas mal de temps, parce que le regard du rugbyman pro et le regard de l'éducateur est complètement différent et je pense qu'il y a un terrain au milieu à trouver pour tout le monde. Voilà, tout Ok, simplement. du côté de Brive, hein? Du côté de ouais. Ok, parfait, très bien. Donc bon, je crois qu'on est dans la diversité, on est dans les expertises et les niveaux aussi différents, dans la curiosité. Donc on part là-dessus. Donc je reviens pour rebondir dans ce que tu disais, Régis. Hein, c'est un système, c'est des stratégies. Moi j'appelle ça, on appelle ça en général du côté entraîneur des modèles de jeu qu'il faut entraîner. Et un modèle de jeu en général se décortique en sous-modèles. Donc on va parler peut-être de sous-modèles du jeu au pied pour les sorties de camp, les exits, mais aussi sur la stratégie de pression, la stratégie d'occupation. C'est des modèles hein, qu'il va falloir entraîner et réaliser en match. Avant toute chose, un petit tour d'écran aussi rapide, en quelques mots. Quel est l'objectif en fait du football rugby hein, et même si c'est culturel et que nous, on a enlevé le F au RFC des clubs, hein, Rugby Football Club, hein, c'est plutôt ce que l'on voit de l'autre côté de la Manche ou dans les pays anglo-saxons. Nous, on n'est que rugby club, mais à l'origine, le rugby, c'est du football rugby. Donc, quel est l'objectif en fait du jeu au pied dans notre game, dans notre jeu, quoi? C'est quoi les objectifs précis, concrets de ça? Moi, je veux bien me Ouais. lancer. L'objectif du jeu au pied, c'est de marquer. Enfin, l'objectif premier, c'est de permettre la marque. Et à défaut, je dirais avancer pour récupérer le ballon immédiatement ou un peu plus tard. Et en tout cas, au pire, entre guillemets, avancer, quoi. Avancer. OK. Bah, moi, je rejoins Nicolas sur la volonté de marquer et d'avancer. Nous, on avait un peu bossé sur les Anglais. Je pense qu'on s'était intéressé à ça, aux conséquences positives après les jeux au pied, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire marquer quand c'est un jeu au pied pour marquer, en zone de marque, pour franchir. Mais aussi, je tape, je gratte. Mais en fait, s'organiser pour qu'après le jeu au pied, on ait une conséquence positive. Et même si c'est. On rend le ballon, on donne une touche à l'adversaire entre les 40 et les 50. Si on a une bonne touche défensive et qu'on a bien analysé leur touche, c'est aussi un ballon qu'on peut récupérer. Et eux, du coup, enfin, on a essayé de penser qu'ils réfléchissaient comme ça, de se dire qu'il y a le jeu au pied et puis il y a l'action suivante. Et sur l'action suivante, on a aussi, si on la gère et qu'on a voulu la provoquer, et ben le ballon peut nous revenir ou la pression peut nous revenir. Il y avait cette dimension-là peut-être qui pouvait rentrer en jeu aussi, je pense. Okay. Johan, quel objectif vous donnez entre joueurs et le staff quand vous mettez en place cette stratégie?
Est-ce que c'est clair au niveau des objectifs? Oui, alors l'objectif premier, donc je pense que c'est Nicolas qui l'a évoqué, c'est bien sûr de marquer. En fait. On a ça en notre première base, c'est de marquer, trouver tous les moyens pour marquer. Et pour le faire, en fait, c'est qu'il faut trouver le moyen en fait de déstabiliser les défenses. Je parlais tout à l'heure d'un rugby un peu moderne. Je n'utilise pas le jeu au pied pour utiliser le jeu au pied, c'est parce qu'aujourd'hui, la défense prend le dessus sur l'attaque. On le voit beaucoup dans des jeux, alors que ce soit en top 14 et je pense en fédéral honneur série, on travaille de plus en plus la défense. La défense est de plus en plus réglée. Les techniques de plaquage sont de plus en plus propres, on va dire. On le sait de plus en plus. Enfin, plaquer, oui et non, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen de créer une différente pression, en fait. Et donc, le jeu au pied est fait pour créer une position en fait de 50-50 où on peut récupérer le ballon assez facilement au final et déstabiliser la défense. Donc voilà pourquoi on utilise beaucoup le jeu au pied. On a des structures donc on va discuter au fur et à On mesure. va creuser. Ce que tu essayes de dire, c'est que Voilà. le jeu de chercher à déséquilibrer l'adversaire sur Voilà. la largeur, comme il trouve ses limites, on va essayer de le déséquilibrer en attaquant presque longitudinalement, si tu veux. C'est-à-dire qu'on va créer des Exactement. déséquilibres, on va créer des déséquilibres collectifs grâce à une attaque plus dans la longueur du terrain. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs ou sous-objectifs liés au jeu au pied? Est-ce que l'économie d'énergie est un objectif? Est-ce que stresser l'adversaire donc bien sûr attaquant les zones libres derrière ou sur les mais surtout peut-être viser quelqu'un, hein, est-ce que stresser l'adversaire par du jeu au pied, c'est aussi un objectif, quoi, parce que toutes les équipes n'y sont pas prêtes, n'ont pas les compétences pour rivaliser dans le jeu au pied. C'est un peu une dimension nouvelle, hein, en termes de compétences duel, compétences jeu au pied, compétences circulation derrière, etc. Voilà, je ne sais pas. Enfin, il y a l'objectif final, bien sûr, marquer, avancer. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sous-objectifs qui seraient liés aux ressources physiques et au stress de l'adversaire? Oui, il faut savoir que le jeu au pied, donc pour l'attaque, on va utiliser le jeu au pied. Donc, comme je dis, c'est une solution un peu de facilité si le jeu au pied est bien réalisé. Il ne faut pas prendre ça comme une économie, parce que non, le travail justement du fait que lorsqu'on utilise le jeu au pied, tout le monde doit être concerné. Ce n'est pas parce qu'on fait un jeu au pied qu'on doit, par exemple, avoir une montée tranquille. Mais c'est sûr, en tous les cas, que ça va déstabiliser l'adversaire, ça va leur créer donc une pression. Il va y avoir une pression, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas beaucoup aux entraînements. On travaille rarement quelque chose qui nous va pas. C'est-à-dire que on essaye à l'entraînement d'avoir un plan parfait, que tout se passe bien. C'est-à-dire on va faire un jeu au pied avec une contre-attaque où le jeu au pied est assez bon. On fait la contre-attaque proprement et tout se passe relativement bien aux entraînements. Mais on a rarement des entraînements où on se met en difficulté, où tout se passe pas comme prévu. Donc en fait, c'est ça le but d'une équipe, de déstabiliser l'adversaire. Pour faire perdre leurs moyens, quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. Donc, on crée une fatigue mentale et physique pour l'adversaire, mais il ne faut pas croire que nous, on se crée une économie D'accord. physique. Justement, il faut continuer cette pression, à mettre cette pression. On relâche pas bien sûr l'effort, mais c'est un autre type Voilà. d'effort dans le sens où tenir un ballon trois Exactement. minutes, c'est d'autres ressources énergétiques que de courir, sprinter, fermer des espaces, etc., etc. Exactement. Ok. Régis, sur l'aspect enjeu un peu généraux, objectif, tu en penses quoi? Ouais, alors non, c'est super intéressant tout ce qu'on entend, et notamment le fait de l'incorporer dans de le mettre dans des stratégies d'attaque. Moi, j'y vois une dimension mentale aussi. Il n'y a qu'à voir les gros quand ils se relèvent, quand ils tapent dans la tête de leur numéro 10 qui a mis un bon jeu au pied, l'impact que ça peut avoir sur eux et l'impact que ça a sur les adversaires aussi quand on est obligé de reculer tout le temps ou de prendre des ballons hauts avec de la pression dessous, etc. Donc, ouais, ça, et comme disait Johan aussi au début, l'impact que ça a sur le public, il ne faut pas l'oublier. Hein, il parlait de la difficulté du public à s'approprier ses stratégies de jeu au pied. Voilà, donc ça, pour moi, il y a une réelle dimension mentale. Et quand je dis une réelle dimension mentale, c'est vraiment et c'est un peu mon dada ces temps-ci, mais c'est comment est-ce que ça colle avec la philosophie de son équipe, quoi. Est-ce que. Au départ, on établit la stratégie et la philosophie de son équipe à dire
on veut jouer le plus loin possible de notre ligne en but, alors à ce moment-là, on va chercher le jeu au pied long. Est-ce que c'est, on veut récupérer le ballon très vite, à ce moment-là, on va mettre des jeux au pied de pression. Est-ce que on veut jouer des deuxièmes ballons, donc on va mettre des jeux au pied long pour s'organiser pour jouer derrière. Voilà, il faut que tout ce jeu au pied, à mon avis, ça rentre dans toute une dimension mentale sur un peu le bras de fer mental qu'on peut avoir avec une équipe. Et de se dire, par exemple, si demain on joue contre Rio, moi je joue arrière en face, je vais avoir le Bourris qui va me mettre des ballons dans les coins ou sur la tête tout le match. Le bras de fer, il est déjà commencé avant, quoi. Et aujourd'hui, quand on voit les... même si on parle des Anglais avec la Nouvelle-Zélande, ils ont gagné cette demi-finale aussi comme ça. Ils avaient déjà gagné le bras de fer avant, quoi. La Nouvelle-Zélande savait qu'ils allaient être arrosés dans les coins. C'est arrivé, mais ils n'ont quand même pas réussi à s'en sortir. Donc, il y a vraiment cette dimension mentale. Et tout ça, je pense, c'est intimement lié à la philosophie d'équipe qu'on met en avant. Et pour que ce soit effectif, il faut que ce soit, comme l'a dit Johan au départ, à mon avis, et j'en suis convaincu, vécu par tous les joueurs et que ça anime tous les joueurs de la même façon, quoi. On n'est pas juste sur le 9 et sur le 10, il faut que ce soit tous les joueurs qui soient animés par cette philosophie. Et même pour aller plus loin, il faut que cette philosophie et cette mise en place de stratégie, elle soit proposée par les joueurs ou du moins facilitée par l'entraîneur pour que ce soit le message des joueurs qui ressortent, parce que c'est des choses qui, là où c'est important, c'est que une fois qu'on est sur le terrain, c'est les joueurs qui y sont, le coach il est sur le côté, et même si lui il pense qu'il faut faire que des ballons passent au pied pour l'ailier ou que des chandelles, si son joueur qui le fait ou si ses ailiers qui les récupèrent ne sont pas à l'aise avec ça, ben ça ne pourra pas marcher, quoi. Donc il y a vraiment une dimension de s'approprier les choses et de vraiment se créer une philosophie en amont. Ok, on va peut-être avoir le temps un peu plus tard d'aborder un chapitre sur les contraintes, c'est-à-dire tu parlais des ressources joueurs, de la culture d'équipe, hein, l'adhésion, etc., de cette capacité à s'engager tous très fort, hein, là-dessus. On peut peut-être, si vous le permettez, les garçons, laisser Johan quelques minutes parler justement de cette philosophie. Pourquoi Oyo ? Est-ce que c'est par défaut ? Est-ce que c'est le climat ? Est-ce que c'est l'entraîneur ? Comment la culture d'équipe a été montée là-dessus ? Comment tu as vécu ça et où vous en êtes justement de l'adhésion, hein, autour du Kicking Plan? Alors déjà il y a de l'entraîneur, donc Joey Labb, anglo-saxon, donc lui voilà, qui en plus est parti donc l'année dernière, il était avec Eddie Jones pour entraîner l'Angleterre. Alors ils avaient fait une équipe d'Angleterre jeune en fait contre les Barbarians, et ensuite de Castres. Donc, en fait, il y avait eu cette philosophie avec Christophe Urios qui avait mis ça en place, donc avec une grosse pression au pied et une grosse défense. Cette philosophie, elle a été mise en place. Donc, voilà, moi, j'en parle donc, de ce fameux rugby moderne. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est les entraîneurs qui nous en parlent, qui nous expliquent ça. Donc, Joe est vachement impliqué là-dedans. C'est tout simplement un copier-coller en fait de ce que faisaient les Anglais. Je crois que Briac en a parlé tout à l'heure, et Régis. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est pour nous, c'est le rugby d'avenir. Donc on essaye de mettre en place de plus en plus. Donc je suis obligé de revenir, même si on en parlera tout à l'heure, sur l'adhésion de l'équipe et des spectateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, ce jeu au pied, et on est obligé d'avoir une maîtrise en fait parfaite. On travaille beaucoup aux entraînements, énormément d'entraînements sur ce jeu au pied, et d'avoir un système extrêmement précis pour justement ne pas avoir un retour, une contre-attaque qui nous plaît pas. On fait en sorte qu'il n'y a pas que le coup de pied, il y a la suite du coup de pied. On se dit, lui, il va relancer comme ça, lui, il va relancer comme ça. Donc en fait, ce plan de jeu doit être extrêmement précis. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous fait arrêter souvent le match. On bloque le ballon, on joue au pied, on replace. Ils retapent, on rejoue au pied. Ils veulent retaper, on rejoue au pied. Les gens et les joueurs, parce que la montée défensive doit être forte, un troisième ligne, et on a eu des joueurs qui nous ont dit, écoutez, ça ne nous plaît pas. Dis-moi, j'en ai marre, tout le long du match, de relancer. Les courses à vide. De courir,
voilà, d'avoir des courses à vide. Sauf que ce ne sont pas des courses à vide, c'est ce qu'on expliquait. C'est pour ça que c'est une philosophie qui est dure à comprendre, mais elle est vachement importante. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je veux mettre l'accent dessus, sur une personne, un rugbyman professionnel, un rugbyman amateur, un entraîneur pro ou amateur, ou un téléspectateur, la plupart du temps, il y a certaines choses qu'on oublie, qu'on ne regarde pas. On prend l'exemple, je veux prendre l'exemple de France-Angleterre, les Six Nations. On gagne le match. Il y a une chose qui est ressortie du match. C'est, Eddie Jones, il a fait le mariole à dire qu'ils allaient nous fracasser. On les a fracassés physiquement, ce qui est vrai. Mais c'est, je ne pense pas qu'on gagne le match dessus. Vous regarderez nos essais, les essais français. C'est à partir d'un jeu au pied. Il y en a un où il y a un petit peu de chance, bien sûr, mais ça part d'un jeu au pied. Une chandelle de Ntamack, un jeu au pied de Dupont, où le ballon est un peu cafouillé. Il y en a un autre essai, enfin, voilà, mais la plupart des essais. Eux, les Anglais, Ford, ce jour-là, a raté tous ses jeux au pied. Vous regarderez, c'était que des chandelles dans les 22. Bouty a récupéré, Marc, et on était tranquille. On a gagné le match dessus, je pense. Alors, il y a plusieurs choses. Quand ça se passe bien, on ne prend pas en compte le jeu au pied. C'est-à-dire qu'on a gagné le match, on a bien joué. Quand, par contre, on perd le match, c'est parce qu'on a trop joué au pied. Et le jeu au pied était mauvais. Comme j'essaye d'expliquer au niveau de cette philosophie du jeu au pied, ce qui est important, c'est que les jeux au pied peuvent être ratés souvent. Ça, on le voit. Le public va le voir. Les gens vont le voir. Par contre, quand le jeu au pied est réussi, c'est normal. Et c'est ça qui est dur pour un joueur et pour un buteur de savoir que, et d'où on a eu quelques conflits avec les spectateurs d'Oyo qui nous disaient « Mais arrêtez de jouer au pied, c'est n'importe quoi ». Par contre, quand on gagnait les matchs, quand on a eu une série de 8 victoires d'affilée où c'était que par du jeu au pied, c'était normal. Donc, la philosophie, en fait, elle est, je reviens un peu, j'évite de trop me perdre, elle revient en fait sur le rugby anglo-saxon, en fait, qui sont en train de mettre ça. Donc, bien sûr, avec le football, de mettre la pression. Comme a dit, donc, comme disait Pep Guardiola sur un livre, lui aussi l'a mis en avant au niveau du rugby. Il dit, les Néo-Zélandais sont la meilleure équipe du monde. Pourquoi ? Pas parce qu'ils tiennent le ballon tout le long du match, mais parce qu'ils sont tout le long du match dans le camp de l'adversaire. Il disait que c'était plus intéressant que l'adversaire ait le ballon dans leur camp que nous ayons le ballon dans notre camp. Voilà, c'est un peu la philosophie que recherchent les Anglais maintenant. On essaie de le mettre en place avec Oyo. Et donc, le seul moyen d'y aller, la facilité, c'est par le jeu au pied. Non, mais c'est ce qui est super intéressant en écoutant Johan, c'est que il dit la philosophie. Après, c'est celle qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. C'est, à l'arrière, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que lui la vive et que son équipe la vive avec lui. Et c'est là que le rôle de Joe, que je connais bien, j'ai joué avec, il m'a entraîné aussi, il est super intéressant. C'est que lui, il n'impose pas, je pense. Il la propose et après, c'est Yvonne qui la vit. Et le rôle de Joe, c'est de leur donner des clés pour montrer que c'est ce que sa croyance à lui, c'est quelque chose qui peut marcher. Et après, c'est au joueur de la prendre en compte. Et ça, après, on a cette philosophie de jeu de pression que font les Anglais. Mais ça peut être une toute autre philosophie. En Nouvelle-Zélande, c'est autre chose. C'est gagner du terrain, comme disait Yuan, mettre le ballon le plus possible dans la partie adverse. Ou alors montrer qu'on peut faire ça pour que des joueurs reculent et qu'on ait des coups à jouer. Tout est plus ou moins intimement lié, mais ce qui est super intéressant d'entendre, c'est que c'est lui qui la vit et c'est lui qui la porte, et apparemment c'est aussi lui qui l'argumente au spectateur. Et ça c'est pas un rôle facile, vous pouvez me croire. Surtout okay. À Oyo, je connais un peu le public d'Oyo, il est génial, ouais. il est génial, il y a beaucoup de bruit, il pousse derrière les joueurs, mais ils sont aussi assez exigeants, et tu as évoqué Christophe Furios, c'est aussi Christophe qui a amené ça à Oyo, hein. Parce qu'aujourd'hui vous jouez sur un synthétique. Ouais. Et voilà, j'allais dire, en plus il y a un paradoxe au niveau de dans sa demeure la stratégie du jeu au pied était encore plus importante. Oui, donc c'est très prégnant, impliquant au niveau de l'entraînement, au niveau de l'adhésion, on parlait culture d'équipe, etc. L'image que renvoie l'équipe aussi. Enfin bon, c'est un sujet très différent, hein, en fait, hein, parce que culturellement on n'est pas habitué. Voilà, donc je vais vous laisser poser quelques questions en se disant quand même. Hein, donc on n'est pas dans les jeux au pied d'adaptation. Hein, je repense un turnover.
Galtier, Dominici, 2007 ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça, on sait tous faire. Il y a quelques années, on joue au pied derrière les montées défensives fortes acculées à leur ligne de but et on marque derrière par jeu au pied, tout ça. Non, là, on parle vraiment d'un modèle très entêtant, très impliquant hein, pour l'ensemble de l'équipe qui est un cap, en fait, hein, qui est un cap. Alors, parfois, certains, c'est juste dans la parenthèse de l'hiver, c'est le fameux plan B, hein, mais certains, c'est une vraie philosophie sur toute une saison aussi, quoi. Donc, ouais. Est-ce que, donc, Romain, Briac, Nico, vous avez des questions sur Oyo, notamment hein, Moi, j'aurais une question. La première, c'est est-ce que cette philosophie, elle est liée aux compétences et des joueurs qui composent l'équipe? Et deuxièmement, est-ce qu'elle est déclinée sur la formation des jeunes? Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences pour cette philosophie de jeu, parce qu'on essaie de mettre en avant que c'est pas tellement le jeu au pied. Alors, bien évidemment, plus le jeu au pied sera bien réalisé, mieux ce sera. Mais c'est pas tellement le jeu au pied en question qui est, c'est ce qu'on en fait, en fait. Donc là, il essaye de nous impliquer ça. C'est pas tellement l'erreur qu'on fait, c'est ce qu'on fait derrière, en fait. Ce qu'on y fait derrière. Donc, en fait, c'est d'où l'intérêt, donc toute cette pression qu'on y met, la pression adverse, parce que justement, il est plus important donc d'avoir une grosse pression en termes d'attaque plutôt que d'avoir un coup de pied. C'est-à-dire que si on met un jeu au pied parfait, mais que tout le monde regarde le jeu au pied et qu'on dit « Ah, joli jeu au pied », mais que l'arrière récupère facilement le ballon, on retombe à zéro. À l'inverse, si le jeu au pied est un peu raté, mais que tout le monde essaye de faire en sorte de récupérer le ballon, on va créer quelque chose. Donc, je pense que la compétence, c'est pas le cas premier, en fait. Bien évidemment, il faut le travailler. Il ne faut pas non plus faire taper n'importe qui et n'importe quand. Donc, je pense que ça, là-dessus, la compétence n'est pas primordiale. Ensuite, la deuxième question, c'était… Sur la formation des jeunes. Alors, déclinaison du projet jusqu'aux jeunes ou pas. C'est ça. Alors, ça, il faudrait plus voir ça, par exemple, avec Joe. Mais je pense que oui, parce que maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est qu'un projet de jeu en équipe première doit être envoyé, par exemple, à l'équipe espoir. Et donc, ensuite… C'est ce que font beaucoup d'entraîneurs. Donc, il y a eu Colazo à La Rochelle. Quand il est arrivé, il a installé son projet de jeu. Et moi, quand j'étais à La Rochelle, j'étais Krabos et Espoir. Et je sais qu'en Krabos et Espoir, on devait mettre le même projet de jeu en place avec les mêmes annonces. Christophe Urlio, ça fait beaucoup ça avec Castres. Je pense que Joe essaye de le faire avec Oyo. Le but étant de gagner du temps. Gagner du temps pour la suite, qu'un joueur qui est formé… n'arrive pas. Alors, bien sûr, on peut pas mettre ça avec pour des moins des U10, des U12. Là, il faut qu'on trouve cette façon de jouer au rugby, mais arrivé à un certain moment, il faut commencer à trouver une certaine structure de jeu donc, qui se mettra en place pour l'avenir. Par rapport à la question que Romain a posée, et notamment par rapport à moi, ce que je vois en Nouvelle-Zélande étant très proche d'eux et très proche de tous les entraîneurs d'école, donc de moins de 18 et tout ça. Moi, je serais pas pour décliner une stratégie de jeu au pied de la première vers les jeunes. La première raison, elle est toute simple pour moi, c'est que les jeunes doivent découvrir le rugby aujourd'hui. Fermer les jeunes dans un système, je pense que c'est leur couper toute expansion pour le futur. On a le temps d'être fermé dans des systèmes, on a le temps de rentrer dans la performance, on a le temps de rentrer dans les néo-Z appellent ça les outcomes, donc les résultats. Je pense vraiment qu'il faut laisser les jeunes expérimenter les choses et les laisser se faire leur propre vision de la chose. Alors bien sûr, il ne faut pas les laisser leur faire faire n'importe quoi, il faut leur donner des angles dans ce qu'on pense, dans nos croyances en tant que coach, pas nos savoirs, nos croyances, je dis bien croyances parce que le mot est important, hein. C'est-à-dire que si les gens savaient au rugby, ben on saurait, les gens croient au rugby, ils ne savent pas. C'est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train de changer. Pour moi, il faut, c'est mon avis personnel, il ne faut pas le décliner, mais il faut vraiment inciter les jeunes à expérimenter les choses. Et ce que fait Briac avec la vidéo, c'en est une. C'est-à-dire que les jeunes, ils peuvent aussi expérimenter en voyant des choses qui se font.
ils peuvent laisser sur le terrain. Voilà, il faut leur développer leur culture rugby en les laissant s'exprimer. Et au fur et à mesure, plus on va monter dans la pyramide, que ce soit vers le haut niveau, les espoirs, la première, ou même vers les équipes premières de jeunes, que ce soit de clubs, que ce soit la fédérale, etc. Là, on va rentrer sur de l'obligation de résultat et donc sur de l'obligation de stratégie. Et donc, on aura aussi des jeunes qui seront capables, en ayant expérimenté plein de choses, de s'adapter à ce qu'on va leur demander. Parce que si moi, c'est là où j'ai un peu de mal avec, et Dieu sait si on s'entend bien avec Christophe, c'est que il a sa chose, son idée de formater ses jeunes. Il l'a fait à Castres, il a formé des Olympiens. Mais si l'Olympien demain il est recruté par, je vais dire une bêtise, mais un club qui joue à tout va, il va falloir qu'il revoie toute sa chose et toutes ses croyances qu'il a depuis le départ. Il va falloir les revoir en arrière. Donc moi, je serais plus pour laisser les jeunes s'exprimer, expérimenter les choses, construire leur propre idée de la chose. Et une fois qu'ils arrivent dans les systèmes de performance, être adaptable ou alors être force de proposition par rapport à ce qu'eux savent faire. Et ça revient à la question que Romain posait au début aussi, c'est est-ce qu'on adapte sa stratégie de jeu au pied avec les joueurs qu'on a. Voilà la question. La ressource d'un jeune joueur est forcément différente que la ressource d'un pro, bien évidemment. Donc, effectivement. On a appris par rapport à la performance, est-ce qu'on l'adapte par rapport aux joueurs qu'on a? Oui, parce que c'est le joueur qui l'a fait. Et comme je le disais, Joe, il peut avoir, par exemple, si on reprend l'exemple de Joe, Joe Elab, il peut avoir une croyance qu'on ne fait que des passes au pied à l'ailier. Mais si Johan Le Bourris était comme moi quand je jouais, je n'étais pas capable d'en poser une. Ben à ce moment-là, tu ne peux pas jouer. Quoi. Pas le faire. Donc, on passe à autre chose. Quoi. Voilà. Et pour compléter, en tout cas pour rebondir, à quel moment, à un moment donné, tu dis à tes jeunes où tu travailles beaucoup la lecture, le jeu adaptatif, et à quel moment il y a cette bascule sur du jeu un peu plus programmé et stratégique? Moi, c'est mes croyances perso à moi aussi, hein, mais je pense que jusqu'à 18 ans, on découvre les choses. On commence à amener quelques systèmes, mais moi, je serais plus sur ce dont tu as parlé, sur le fait de s'adapter, sur le fait de lire, sur le fait de vivre les choses, sur le fait de s'approprier le jeu. Là, je parle du rugby en général. Je ne parle pas que du jeu au pied, mais le jeu au pied, forcément, en fait partie à l'intérieur. Et je pense qu'une bonne façon de le partager, c'est plutôt que de dire on va faire ça, c'est d'amener les réponses par les joueurs en posant des questions. Et alors c'est très dur c'est compliqué à mettre en place parce que ça prend du temps, parce que l'entraîneur il est challengé aussi dans sa position. Aujourd'hui chez nous, le coach il est là et les joueurs sont là. Dès que le coach va commencer à poser des questions et à partager ses croyances avec les joueurs, ça va faire ça. Donc ça veut dire que les parents sur le côté vont dire c'est qui l'entraîneur qui est avec eux, il ne sait pas. Et voilà. Donc, ça challenge beaucoup de choses. Mais par contre, à la fin, les joueurs vont vivre la chose et vont se l'amener et vont se développer leurs propres croyances. Aujourd'hui, Johan, on l'a vu, il vit ses propres croyances parce qu'il a eu confronté et exposé à ses différents coachs avec ces sensibilités-là. Et notamment avec celle de Colazo quand il était jeune avec le Stade Rochelet. Mais moi, je pense que jusqu'à 18 ans, et je vais même presque aller jusqu'en espoir, parce que, alors après en espoir, il y a des choses différentes, c'est que les joueurs doivent être très vite prêts pour aller dans le système de la première. Donc là, effectivement, il faut qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent le système de la première. Mais jusqu'à 18 ans, j'imagine, et c'est ma croyance, et c'est aussi, je le fais par rapport à, et j'ai ça par rapport à tous les échanges que j'ai avec les Néo-Z de par mon business que je suis en train de monter, mais jusqu'à 18 ans, je laisserai les jeunes expérimenter les choses et je me positionnerai en tant que coach, en tant que facilitateur de la chose, en tant que, comme Fébriac d'un côté, leur amener de la vidéo pour qu'ils voient, pas forcément que les Anglais, ils peuvent voir les Sudaf, parce que les Sudaf, ça peut être intéressant sur le côté jeu au pied. Ils peuvent voir les Argentins, ils peuvent voir tout un paquet de choses. Et puis, en tant que coach aussi, je les amènerai à essayer les choses sur le terrain, faire les choses et à leur poser des questions avec
pour que eux se fassent leur propre réponse. C'est-à-dire que la question, elle peut vous poser sur quel est ton objectif, commencer comme ça, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu penses que ça peut être mieux fait. Donner du sens. Qu'est-ce que tu vas faire? À quoi ça sert? Le système s'appelle GO, c'est goal, qu'est-ce que tu veux faire. R, c'est reality. O, c'est... Je n'ai plus le O. C'est... Je ne l'ai plus. Et W, c'est will, c'est qu'est-ce que tu vas faire. D'accord. C'est okay. Cette façon-là de poser les questions qui peut amener les jeunes à s'approprier les choses et à découvrir et du coup, après, à être prêt pour l'autre. Donc, on parle bien... Mais c'est très intéressant puisqu'on était sur le sujet de la formation. Donc là, on est bien sur un sujet qui est plus stratégique. Hein, donc attention à utiliser avec parcimonie chez les jeunes. Ça doit correspondre à des ressources d'équipe, bien évidemment. Et puis, ça doit correspondre à des modèles d'efficacité. C'est un gros mot, mais c'est assez simple. Le constat de Johan, c'est un constat de stérilité. C'est un constat de stérilité sur l'attaque lié à des rapports de force qui se neutralisent. Donc, on utilise un autre moyen pour avancer, pour marquer, on s'est dit, pour stresser l'adversaire, on va exploiter des espaces ailleurs, quoi. Donc, puisque, voilà, chez les jeunes, probablement qu'il y a de l'espace plus facile à attaquer pour aller marquer. Voilà. Oui, vas-y Régis, et après on enchaînera avec ça, et sur le côté concret. Pour les jeunes, pour revenir à la discussion avec Romain, je pense que le fait de découler les systèmes depuis les pros, ça dépend aussi de quel est l'objectif du coach, quoi. Est-ce que l'objectif du coach, c'est de gagner le week-end et d'avoir des résultats et d'avoir son équipe championne régionale ou championne nationale ou tout ça? Ou est-ce que c'est de produire le plus possible de talent pour au-dessus? Voilà. À mon avis, la balance, elle est là aussi. On a la réponse. On a la réponse quand on parle, mais la réponse qui est à l'intérieur, je pense qu'il faut le redéfinir. Il faut le redéfinir. Une question rapide. On sait que ce qui prend le plus de temps, c'est de régler les stratégies collectives en tant qu'entraîneur. C'est ça qui est le plus chronophage, à mettre en musique les 15 joueurs ou les 23 qu'on va avoir sur la feuille de match. La question, c'est quel est le pourcentage de temps dédié à cet entraînement de la stratégie collective autour du jeu au pied à Oyo sur un collectif de haut niveau, quoi. Alors déjà, pour que ça se mette en place, nous on s'en est rendu compte au bout d'un an, donc là maintenant, que c'était une bonne chose. Donc c'est la mise en place du jeu au pied, ça se fait pas rapidement, le temps que tout le monde comprenne, que tout le monde mette en place. Pour l'entraînement, je sais pas exactement en termes de pourcentage, mais notre plus gros entraînement qu'on avait le mardi, qu'on appelait donc notre entraînement HIT, donc là c'est là où il y avait un peu de contact avec beaucoup de courses et avec beaucoup de pourcentage au niveau de la fréquence cardiaque. Enfin, là on mettait quasiment 50-60% de l'entraînement sur ce travail de jeu au pied, en fait, parce que pour nous c'était c'est l'essentiel donc dans le jeu. Donc on y mettait la plus grande importance au niveau des entraînements là-dessus. Après, tout ce qui était jeudi ou alors le mercredi, ce qui était en rapport avec un entraînement un peu plus tranquille avec les titulaires ou la mise en place, là, on pouvait mettre en place nos lancements de jeu, etc. Mais on y mettait une importance vraiment considérable sur le jeu au pied et la stratégie du jeu au pied, parce qu'en plus, c'était notre base, c'était nos fondamentaux à nous. Voilà. Ensuite, pour que ce soit mis en place et pour que certains joueurs le comprennent, comment ça marche, est-ce que c'est efficace ou pas, on y est aujourd'hui à peu près à avoir compris, parce que voilà, on arrive à voir un peu ce que Oyo met en place. Donc les gens qui vont venir dans le club, qui vont signer dans ce club, vont connaître notre façon de jouer. Donc voilà, mais on met un an, c'est-à-dire que si vous le mettez en place demain, ne vous attendez pas au deuxième ou troisième match à ce que tout soit parfait, tout soit mis en place, le jeu au pied, bonne pression, on gagne là-dessus.
Donc c'est vraiment, donc je reviens là-dessus et puis je vais essayer de rebondir si vous le permettez, puisque le temps tourne et il faut qu'on apporte un peu du concret, on va dire, hein, du biscuit, hein, c'est ça. Enfin, en tous les cas, moi j'en suis très friand, donc voilà. On est bien sur du modèle de performance, hein, donc tout est tourne autour après, hein, la prépa intégrée, les entraînements, les machins, tout, c'est un modèle de performance. Il y aura peut-être des sous-modèles, hein, donc le sous-modèle occupation, le sous-modèle récupération, le sous-modèle exit, le sous-modèle tout ce que tu veux. Et en fonction de chaque sous-modèle, hein, voilà, il doit y avoir des principes d'efficacité, des principes d'action. Donc, probablement. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'en aborder certains avec le lancement d'un sujet par Briac et d'un clip sur notamment les techniques d'escorte ou les techniques de récupération, hein, sur du jeu au pied de pression ou de récup. On voit d'abord quelques images et ensuite on reviendra ensemble en face à face pour papoter. Très bien. Bah, juste pour introduire rapidement, l'idée c'est que voilà, l'an dernier, pendant le tour de destination, comme je l'ai dit au début, les Anglais nous avaient vraiment impressionnés sur le jeu au pied. On se demandait pourquoi. Enfin, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose, donc on a creusé et on a trouvé que, évidemment, ils utilisaient beaucoup le jeu au pied eux. Et ils récupéraient beaucoup de ballons en dessous. Et eux, ils n'étaient jamais en situation de 50-50 quand ils recevaient les jeux au pied. Donc, on s'est intéressé un peu à pourquoi ils n'étaient jamais dans la situation de 50-50. Et on a essayé d'analyser un peu ça et de mettre des images dessus. Hop. Est-ce que si je fais ça, c'est bon pour tout le monde ou pas? C'est ouais. Bon. Sur la gauche de l'écran, donc c'est un jeu au pied tapé par les Anglais. Et c'est observer le repli des Français et la chasse des Anglais. Et comment autour du point de fuite, il y a vraiment une vraie différence d'organisation entre les deux équipes. Donc, clairement, on voit que chez les Français, donc le Picamol, le réceptionneur, est esselé et qu'on a déjà deux Anglais sous le ballon. Et après, c'est intéressant d'observer les attitudes des Français là sur la gauche. Et on voit à droite que Johnny May, qui va recevoir le jeu au pied, il est déjà escorté par trois joueurs qui le protègent en fait du duel aérien. Et du coup, qui en fait vont lui permettre de capter le ballon sans jouer vraiment de duel finalement. Et du coup, voilà, c'était vraiment l'objectif de se dire qu'entre le réceptionneur de la balle du jeu au pied et les joueurs qui se replient, il n'y ait aucun adversaire qui réussisse à s'infiltrer en fait. Que le repère, c'était ça, c'est de se dire qu'entre je réceptionne et nous, on escorte, on ne laisse passer personne avec nos courses de repli. Donc évidemment, le résultat s'en fait sentir. C'est que pour les Français, le duel est perdu et le ballon est récupéré par les Anglais. Voilà. En plus, il est tapé et c'est bien joué. Alors que pour les Anglais, ça c'est pris. Voilà. Ensuite, dans les réalisations techniques et tactiques, là, c'est une escorte qui est ratée par les Gallois pendant le tournoi. Comme vous voyez là, c'est qu'il y a vraiment une dimension tactique. Ce n'est pas juste se replier vers le point de chute pour les joueurs qui se replient. Donc là, les deux Gallois, c'est vraiment on joue un duel, on joue des duels contre les adversaires de repli. Et donc là, les Gallois, il y en a un qui se trompe, et ils perdent le duel aérien, ils prennent un essai dessus. Donc. Mais là, on voit bien que les deux Gallois se replient pour un seul Français et du coup, laissent un Français aller au duel aérien. Et Teddy Thomas, il volaille le ballon sur un 50-50 et ça fait essai. Il y a une deuxième analyse possible sur ce type de plan-là, hein, qu'on peut se garder pour tout à l'heure. Ce n'est pas ton focus à toi, Briac. Là, on est sur la zone ballon, zone de récupération. Mais la deuxième analyse, c'est sur les fermetures d'espace, hein, et la préparation du temps d'après, en cas de réception par le Gallois en l'occurrence. Hein. Est-ce que l'équipe de France fait bien son job pour préparer le coup d'après, quoi, hein. Là, on est vraiment dans la stratégie d'échec. Vos commentaires là sur. Alors, donc, on est sur des principes d'action. Dans le sous-modèle entre guillemets jeu au pied de pression et de récupération, hein. Voilà. Est-ce que c'est l'analyse parfaite parce que l'escorte aujourd'hui c'est ce qui commence à rentrer de plus en plus dans ce système donc en fait de protection du joueur donc à la réception. Alors si il y en a une aussi qui était flagrante, c'était les Anglais aux Six Nations donc cette année. Vous regardez juste le coup d'envoi contre le Pays de Galles. Ah, c'est un coup d'envoi du. Ouais, ils ont fait un mur en fait. Coup d'envoi, ils ont fait un mur incroyable. Et donc en fait, ça on le travaille beaucoup l'escorte. Donc là, on l'a vu avec les Français qui ne le font pas. C'est pour ça qu'au niveau du jeu au pied, on parlait au fait du. C'est pas tellement le jeu au pied qui compte, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Et aujourd'hui, on met en place donc ce système d'escorte, c'est-à-dire que la défense va faire en sorte de courir avec l'attaque pour leur bloquer donc le chemin, soit faire un mur sans faire de faute, soit essayer de ralentir donc l'équipe attaque donc qui va mettre la pression. Donc voilà, donc au final, c'est ce qu'on disait, c'est que là on parle du jeu au pied, mais au final l'analyse donc que tu as eue, c'est
pas tellement le jeu au pied, c'est ce qui se passe autour du jeu au pied. Et ouais, ce qui est le plus important en plus. C'est ce qui est le plus important. Quelles sont les manières de le bosser et quelles sont les contraintes, notamment liées à l'arbitre, hein, les dangers à éviter. Voilà, on comprend la notion d'accompagnement, on comprend moins la notion de mur et d'obstacle. Voilà. Donc, en fait, le but est de vraiment donc, rester dans son couloir quand on se replace. Là, je parle en termes, je suis défenseur. L'équipe attaque fait un jeu au pied. Il y a beaucoup de fautes qui se font où on voit un ailier qui vient au duel et on vient voir un joueur qui sort de son couloir pour mettre un coup d'épaule. Le but étant de savoir, bien évidemment, il faut savoir parfois un petit peu jouer avec la règle, voire tricher un petit peu, d'avoir une course un petit peu plus en travers. Ou alors, d'anticiper les courses. Et là, on le voit de plus en plus. Quand une équipe se met en place au jeu au pied, qu'on est quasi sûr qu'elle va faire son jeu au pied, on va voir des ailiers et des centres ou le 13 extérieur qui va même commencer à anticiper pour reculer au niveau donc, de la course et venir protéger un peu tout le monde. C'est pour ça que tout le monde est concerné. On essaye de créer une certaine protection en fait, envers tout le monde. Donc, le plus important, bien évidemment, au niveau du repli et de cette escorte, de ne pas avoir une course en travers pour pas venir, pour pas se faire pénaliser. Il faut protéger le joueur pour qu'il ait une bonne récupération, mais il faut pas non plus mettre un coup d'épaule au mec qui vient à la récupération. Donc là, on était sur les rôles défensifs, hein, entre guillemets, les escortes. Mmh. Au niveau des rôles et des distributions de rôles sur la zone de récup, zone ballon, pour l'attaque, celle qui a fait le jeu au pied, comment vous distribuez des rôles? Alors, comme a montré Briac sur le dernier jeu au pied de la France contre le Pays de Galles, je ne sais pas si on peut remettre juste le enfin, ou pas besoin, hein, pas besoin. Vas-y, continue de parler, ouais, et Briac nous lance. Voilà, le plan en fait qu'on voit en hauteur, en fait, c'est-à-dire que il faut aussi prendre en compte que notre but est de récupérer le ballon, mais la défense va récupérer le ballon aussi. C'est-à-dire que il faut préparer aussi notre système défensif qui va arriver. Donc, par exemple, le jeu au pied du 10, donc là, comme on va voir Ntamack, voilà, tu peux juste arrêter là. Là, on voit que Ntamack, c'est Ntamack qui est à l'arrière, qu'on voit juste en dessous, le voilà, ici. Et en fait, Ntamack, lui, va partir à l'opposé, donc il va partir donc, sur la gauche, on le voit partir où il y a la souris exactement. C'est-à-dire que là, lui, son jeu au pied est fait, ce n'est plus à lui d'essayer de gagner le ballon, mais lui, il doit préparer la défense. Donc, Ntamack va partir. Vu qu'on a le but de Boutier pardon, qui va venir mettre la pression avec Teddy Thomas comme a été expliqué, eux ils s'occupent du ballon. Et par contre on va avoir, alors je crois que c'était, je ne sais plus qui était l'autre ailier, c'était Ficou contre le Pays de Galles, et bien en fait il va lui aller à l'opposé, donc en haut à droite, c'est-à-dire que là tout le monde est en place au cas où s'il récupère le ballon et qu'il refait un jeu au pied de pression, tout le monde est en place. Le but de l'équipe de France des 13 autres joueurs, donc sans compter, va être de recréer une ligne très rapidement. Est-ce que sur la zone ballon, il y a des rôles liés à l'espace autour du ballon, hein, le cercle de réception autour du ballon? Oui, il y en a un. Il y en a un qui. Donc voilà, il y en a un. Donc en fait, on va toujours demander à quelqu'un d'aller à la lutte. Et ce qui se fait donc de plus en plus, alors ça, c'est un travail voilà, qui va se faire. Quelqu'un dans l'axe, je pense que ça se travaille pour voler le ballon. Et on essaye maintenant de mettre en place quelqu'un qui part dans le camp adverse. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un système. Donc, quelqu'un à la lutte, quelqu'un derrière, okay, si le ballon est volé, et quelqu'un qui va aller dans le camp adverse, il n'y a pas de ruck, il a tous les droits d'aller dans le camp adverse, parce que très souvent, alors le ballon soit est capturé, soit il est cafouillé, et là on va en avoir un de chaque côté pour récupérer. C'est ce qui se fait. Clairement, on le fait beaucoup au coup d'envoi avec Penaud, c'est-à-dire qu'un coup d'envoi court, et Penaud ne se pose même pas la question de récupérer le ballon, il volaille le ballon. Si l'équipe adverse récupère le ballon, ce n'est pas grave. Le but était que le ballon soit pour eux. Donc, il n'y a pas de pression pour l'attaque. Donc, voilà. Donc, c'est avec sûr des qu'il techniques y a un peu de foot australien, voilà, de monter les genoux sur l'adversaire pour volleyer, ce genre de choses. Voilà. Voilà. Il faut qu'il y ait voilà, un gain au niveau de la lutte aérienne. Donc, voilà. Pourquoi? Donc, tout l'intérêt, on le voit sur l'image tout à l'heure. Boutier, il marque comme ça parce qu'il est derrière. On n'a pas eu les trois qui ont sauté au ballon ou qui ont été attirés par le ballon. Et ben, un ballon un peu cafouillé, il récupère le ballon. Je pense que c'est l'exemple parfait de ce jeu au pied. Là, c'est l'exemple vraiment parfait, je trouve. Ok. Voilà. Il y a un ordre dans les rôles. La priorité, c'est ballon. La priorité, c'est passer. Alors, ouais. Bien sûr, il en faut un au ballon. Il en faut un au ballon. Comme on dit, le but est de le top du top est de récupérer le ballon. Mais le but est
d'essayer de récupérer le ballon. Alors, ce sera par une mêlée, par un en avant, par un ballon cafouillé. Donc, très souvent, on dit aux joueurs, on a ce système un peu de pression de jeu au pied avec les troisièmes lignées. Et il y en a un joueur, il a dit, oui, mais moi, lutte aérienne, je ne maîtrise pas. Mais on lui a dit, on s'en fiche que tu récupères le ballon et que tu tombes, que tu libères bien ton ballon. On dit ton but et que tu déstabilises l'adversaire. Donc, tu tends ton bras en l'air et tu volailles vers nous, en avant, mais tu volailles. Et on essaye de récupérer le ballon. Okay. Donc, à chaque fois, ce n'est pas tellement le geste technique. S'il y est, c'est parfait. Mais ce n'est pas tellement le geste technique, c'est l'envie l'intention. Qu'on y met. Voilà, et l'intention. Ok. Est-ce que vous avez donc des questions, des commentaires là-dessus sur l'aspect technique ? Vas-y, Romain, vas-y, je t'en prie. Ouais. Johan, à un moment donné, tu as abordé l'anticipation, notamment sur le défensif. Est-ce que ça ne peut pas être une faille ? Quand on n'est que sur la lecture, est-ce que ça ne peut pas être une faille pour l'attaque modifier le principe du jeu au pied et de partir sur du jeu à la main? Oui, alors exactement. C'est alors la chose aussi qu'on va essayer de voir, de rechercher. Donc ça va plus être au centre et lié de le voir en attaque, parce qu'on va voir. Nous, je sais que cette année, on l'a fait une fois à Grenoble, où en fait, on se plaçait pour notre jeu au pied. Tout le monde a reculé. Ils étaient quatre en troisième rideau et on décide d'écarter le ballon et en fait on vient à percer, on arrive dans leurs 50 mètres. Donc c'est des choses, voilà. Après ça c'est de la lecture, c'est de l'instinct comme on l'a dit, de sentir les choses, de faire confiance à ses centres ailiers ou aux personnes qui appellent. C'est sûr que au fur et à mesure qu'on va créer on va être lu un peu par toutes les équipes de plus en plus. Et à l'inverse, c'est qu'on va peut-être créer certaines failles du fait qu'on se dit, bah oui, ils vont jouer au pied, donc tout le monde derrière. Et alors après, on va avoir des espaces. C'est la nouvelle règle qu'ils veulent tout simplement mettre en place. C'est-à-dire que si on fait un jeu au pied dans nos 50 mètres et qu'on trouve une touche indirecte dans leurs 22 mètres, la touche sera pour l'équipe qui a tapé. En fait, ils veulent mettre ça en place pour qu'il y ait beaucoup de monde en troisième rideau, pour qu'il y ait des failles en premier rideau. Mmh. Donc là, bien sûr, ce sont des choses après qu'il faut voir. Comme tu dis, et rugby quoi, on est rugby quoi. Voilà, c'est des choses à sentir, et c'est sûr que c'est des situations qui vont se créer, des ouvertures, ouvertures. On a déplacé des pions, on a ouvert des portes. Hein, voilà, une trop grosse organisation, par exemple au niveau du jeu au pied, va faire que les équipes vont s'adapter. Mais à l'inverse, si on arrive à adapter leur adaptation, eh bien, on va trouver d'autres façons de jouer au rugby. Okay. J'ai une question, Johan, du coup, là sur ce qu'on vient d'évoquer, sur le fait que plus la défense anticipe, forcément, plus ça va avoir une faille sur le premier rideau qu'on peut exploiter. À la finale de la Coupe du Monde, les Anglais l'ont tenté dans leur en-but. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y a Young qui se prépare, et dans l'en-but, il prépare un jeu. Ça n'a pas fonctionné, mais ils l'ont essayé. Et en fait, je me demandais comment conjuguer, j'ai pas la réponse, hein, je réfléchis en même temps que je parle, comment conjuguer du coup, quand il y a un jeu au pied du neuf, on demande à tous les joueurs d'avancer, de se mettre quasiment sur la ligne du 9 pour préparer la montée défensive. Mais par contre, si on met tous les joueurs là, si on veut jouer ce coup à la main, on n'a plus de profondeur, on ne peut plus exploiter l'espace qui pourrait se libérer. Tu vois. Comment on peut conjuguer une bonne montée défensive et je ne sais pas s'il y a peut-être des joueurs un peu de joker qui sont placés derrière cette ligne-là et qu'on exploiterait pour déplacer le ballon et ouais. Je ne sais pas, comment trouver le compromis pour que les deux options soient valables? Parce que moi, je crois simplement que les deux options sont valables. C'est une bonne question et nous, ça a été un gros problème cette année parce que nous, en fait, dès qu'on organise le jeu au pied, on a ce qu'on appelle donc nos chasseurs. Mmh. On a 6, voire 7 chasseurs, c'est-à-dire que tout le monde est en place, comme tu dis, sur la ligne du demi-mêlée. Tout le monde est organisé par poste et on a 12, 13 impliqués dedans, donc ils sont sur cette ligne. Cependant, si l'équipe adverse voit cette ligne-là, ils vont se dire « bon, on recule, ils vont jouer au pied ». Sauf que nous, si on anticipe, il faut qu'on recule parce qu'il faut qu'on joue comme tu dis. Mais si on recule, la défense en face va dire « non, ils vont jouer à la main ». Donc, on avance. Ce sont des situations compliquées. Je suis le premier aussi, alors il y en a qui ne vont pas être d'accord, ce qui est normal, à rester parfois fermé sur un jeu. Donc, on va dire que oui, mais il faut faire en lecture, c'est le rugby et tout. Mais dès qu'on annonce quelque chose, je suis pour qu'on le fasse, même si un mec me dit « oh, regarde, on peut la jouer. » Non, je bloque. Je bloque parce que si on commence à, pour certains, dire un jeu au pied, pour d'autres, jouer à la main et on se retrouve sur du 50-50, on va faire les choses à moitié et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Surtout,
l'occasion aurait, l'action aurait peut-être été bonne de jouer à la main plutôt. Mais on a eu trop de situations où on a fait 50-50 parce qu'il y en a un qui voulait une chose, l'autre chose, l'autre qui dit mais non, on fait ça. Et en fait, on a tout faussé parce que au niveau mental, personne n'était concentré et on faisait mal la chose. C'est donc, lié, ça, c'est la question. Johan, c'est lié au niveau, aux exigences du haut niveau, le résultat, etc. Exactement. C'est très particulier. Bien sûr. Bien sûr, c'est dur aussi parce que voilà, il y a des attentes, des objectifs à respecter. C'est sûr que sur un match amical, on va peut-être plus tenter des choses. Alors, on essaye de mettre aussi peut-être en place sur le fait qu'il y ait le 12-13 en place, il est lié presque sur la ligne par une passe au pied. Mais c'est pareil, dans nos 22 mètres, il faut oser le faire, ce jeu au pied. Il faut. C'est plus difficile à trouver de la variation dans l'action sur un jeu au pied qu'un coupe d'eau où on a le choix. Et c'est voilà. Là, voilà. Ça nécessite une telle organisation voilà. collective. C'est compliqué voilà. de changer le fusil d'épaule. Quoi. Je vois deux choses par rapport à ça. C'est, ce qui est intéressant de voir sur les clips qu'on a vus, c'est qu'est-ce qui se passe avant le jeu au pied, sur les phases d'avant. Et souvent, le but des équipes, c'est de remettre sur leurs pieds leurs joueurs qui sont comme dit Johan, leurs chasseurs, souvent 7, 8, 12, 13, ou les ailiers, pour qu'il y ait une bonne lutte. Et du coup, c'est tout ce qui entoure tout ça. C'est comment est-ce qu'on l'amène ? On ne l'amène pas juste pour taper, pour mettre un beau jeu au pied. C'est vraiment, on passe par un temps ou deux temps pour que tous nos joueurs potentiellement aguerris à lutter le ballon puissent être sur leurs pieds, ou alors capables de faire une ligne derrière si des fois on récupère pas le ballon. Moi, je suis un peu inquiet de voir l'image de la France, là. Je ne sais pas si les Gallois récupèrent le ballon. Je ne sais pas comment ça peut se passer pour eux. J'ai l'impression qu'il n'est pas amené de la bonne façon. Mais bon, ça, c'est ma chose à moi. Et puis, c'est facile pour moi, derrière l'écran, de dire. La deuxième chose par rapport à l'adaptation, il y a dans l'action, mais il y a le film du match aussi. Par exemple, je pense que si, sur la première fois où Johan met sa structure en place pour faire son jeu au pied, son centre ou son arrière passe le voir et dit regarde, ils anticipent au max. Et peut-être que la deuxième fois, le centre ne sera pas forcément sur la ligne, va se prendre 5-6 mètres de recul pour se laisser l'option. Il y a le film du match aussi qui rentre en compte dans tout ça. Je voulais revenir sur le rôle des escortes et dans la zone clé là, de récupération du ballon. Je pense qu'il y a deux rôles bien distincts dans les escortes qui vont, d'une part, les joueurs les plus proches. Protéger le réceptionneur pour qu'il n'y ait pas de 50-50, comme le disait Briac, et que ce soit un 80-20, on va dire, voire un 100-0. Et après, il y a des joueurs qui seraient un peu plus loin, alors quand je dis un peu plus loin, c'est à 2-3 mètres, qui eux seraient en charge d'escorter et d'ouvrir des portes, on va dire, pour la contre-attaque, quoi. Donc les deux premiers, on va dire, protègent à la réception, et ceux qui arrivent un peu plus tard, par le jeu de course et de lecture des courses, vont se mettre en opposition dans le respect de la règle. Pour ouvrir les portes et remettre tout de suite le réceptionneur dans l'avancée pour que ce soit plus simple de conquérir de garder la possession du ballon, recréer un temps et puis repartir faire une relance du jeu par la suite. Quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a deux rôles. C'est important. Je vous invite, Briac, à vous poser la question à Briac. Il a un autre clip sur le jeu des bloqueurs qui, avec les rôles issus du foot américain, etc. C'est bizarre hein, dans le monde du rugby, mais il y a un vrai jeu, effectivement, non pas premier rideau récup, mais second rideau pour la remontée des ballons, de bloquer des espaces. Tout à fait. Donc, si Briac, tu es OK, tu peux partager tous tes clips. Ils sont top. Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai une question pour Johan sur la stratégie du jeu au pied. On a évoqué le second rideau un petit peu et comment exploiter les espaces dans le second rideau, parce que je pense qu'on voit quand même de plus en plus que le troisième rideau est bien défendu, mais que les numéros 9 défendent de plus en plus dans le premier rideau et que le second rideau est délaissé et sert d'espace à exploiter pour l'attaque. Et est-ce que pour vous, ça rentre en jeu dans votre... Est-ce que c'est une donnée que vous avez pris en compte dans votre kicking plan? Et si oui, comment l'exploiter? Est-ce que c'est que en zone de marque ou parfois dans notre camp, loin de la ligne adverse où les arrières sont très loin, il n'y a pas de second rideau, on peut aussi l'utiliser. Est-ce que vous avez pensé à tout ça et comment vous l'avez imaginé? Ouais, alors ça, on l'a pensé. Alors, je vais parler d'abord pour la défense. Comme tu dis, le 9 rentre de plus en plus dans le premier rideau. Donc, en fait, ça reste toujours au 9 de gérer ce R2. Et on essaye maintenant d'utiliser le 13. Le 13, pourquoi le 13? Parce qu'il est assez loin donc, de l'attaque. Donc, il peut pister un peu tout ça. C'est-à-dire que lui peut reculer un peu, c'est-à-dire que s'il peut se permettre de reculer, parce que le temps qu'il y ait une, deux passes pour que ça vienne sur lui, il aura le temps de remonter. Donc c'est un peu le 9 qui gère, mais si le 9 rentre au 13, ou celui qui se situe en rôle de 13, donc ça peut être aussi le 10 ou le 12, essayer de pister tout ça.
Donc tu laisses Ensuite, le en 13 termes. un peu plus sur les talons, pas dans les talons, mais capable de reculer autant que d'avant. Voilà. Et pas en Voilà. projection féroce devant. Voilà, voilà. Exactement. Et en tant qu'attaquant, alors ça, c'est quelque chose où alors là, les coachs ne sont pas très fans de ce petit jeu au pied par-dessus dans le match, pendant le match. Pendant le match, ils ne sont pas vraiment fans de ce jeu au pied. On est plus accrocheur de ce jeu au pied, par exemple, dans la zone marque, dans les 22 mètres, même un petit peu plus, de tenter un petit par-dessus et que ça tombe dans l'en-but. Pourquoi? Parce que ça revient comme sur le coup de pied. Si le jeu au pied est bien réalisé, là, on est sur du 50-50. Et 50-50 dans l'en-but, ben, c'est essai ou renvoi 22. Donc, au pire des cas, on récupère le ballon. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place aussi. Ce n'est pas une priorité. Parce que voilà, il faut aussi qu'on joue, mais c'est sûr que c'est quelque chose, oui, à mettre en place. C'est une zone qui est libre, mais ce n'est pas forcément une zone si fragile que ça, parce que Non. voilà, c'est une zone où ils peuvent relancer facilement et avoir de la vitesse qui vient de derrière Ouais. d'un coup, peut-être plus sur l'initiative individuelle. Je tape, je Ouais, récupère. voilà, c'est ça. Plus ça. Bien OK. sûr. Bon, voilà. Donc, moi, je vous remercie. Je vais clore ma partie animation. Romain, une petite conclusion perso. Régis aussi. Et on laisse le mot de fin à Johan. Je remercie vraiment tout le monde. Bon, bien sûr, on a effleuré plein de choses. Hein, on n'est pas rentré trop dans les détails. Mais on a quand même bien papoté là du sujet. On y a mis non pas un pied, mais quasiment les deux pieds dedans. Là, je fais une petite Gérard Rolfe d'humour de Stade 2 de l'époque. Bon, voilà. Donc, on est rentré de plein pied dans le bordel là et c'était plutôt passionnant, quoi. Donc, voilà. Bonne saison à tout le monde. Romain, à toi. Ouais, ben un grand merci. C'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir discuter de cette évolution et de cet aspect de plus en plus stratégique du jeu au pied. Il y a encore effectivement des questions auxquelles je me pose et notamment sur les cultures et le fait que Régis soit passé par la Nouvelle-Zélande. On n'en a pas trop parlé, mais ça aurait pu être intéressant également de basculer là-dessus, voir comment s'est entraîné le jeu au pied Il va dans l'hémisphère sud. te reprendre le ping-pong, t'inquiète, juste derrière. Mais voilà, super, super, super enrichissant à mettre en application. C'est difficile parce que dans nos clubs, et Nico pourra confirmer, le jeu au pied, enfin voilà quoi, c'est quelque chose qui n'est jamais utilisé dans nos clubs et dans nos EDR. Donc voilà, il faut changer un peu tout ça. Ouais, non, c'était super intéressant pour moi d'échanger par rapport à tout ça. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être sorti aussi de la vision très stratégique et de récupérer de résultats de ce système de jeu au pied. Pour vous avouer, c'est quelque chose qui m'a pesé, moi, quand je jouais. Hein, je jouais 10 ou arrière. Ça m'a pesé beaucoup parce qu'on n'y mettait pas beaucoup d'un. Enfin, on y mettait de l'importance sur le jeu au pied et c'était surtout les tribunes qui mettaient de l'importance sur la réussite technique du jeu au pied et on ne parlait pas de tout ce qu'il y avait autour. Et ça, c'était un peu ce qui me dérangeait parce que c'était facile de dire que l'espinasse dévissait plutôt que de dire que les liés n'étaient pas sous ballon. Mais je le comprends aussi, je le dis pas mal et moi j'avais une philosophie de jeu quand je jouais où j'étais plus à l'aise avec les mains qu'avec les pieds. Donc forcément, c'était pas quelque chose qui me bottait. Pour pas faire de jeu de mots, mais qui me Tu bottait refais Gérard pour. Rolfe. Ouais, voilà. Donc, après, pour revenir à tout ça, c'est pour ça que moi, je parle de philosophie d'équipe, je parle de maîtrise totale de stratégie, je parle de mécanisme pour englober le geste du jeu au pied. On n'a pas parlé du geste, hein, mais il y a plusieurs types de jeu au pied. Pour englober le geste dans une philosophie, dans une approche collective. Et pour rebondir avec la Nouvelle-Zélande, si on doit faire une différence sur ce qui se passe en Nouvelle-Zélande par rapport à ce qui se passe chez nous, on est vraiment sur l'appropriation par les joueurs. On est vraiment sur. Mais même jusqu'aux annonces de jeu au pied, on est sur des thèmes de saison. Par exemple, ça peut être le thème de saison sur la guerre, par exemple. Et donc, toutes les déclinaisons d'annonces de jeu au pied et de jeu en général vont être sur la guerre.
tout ce qui va se passer sur les trois quarts, ça peut être des noms de soldats. Tout ce qui va se passer pour le jeu au pied, ça peut être des noms d'avions. Et qui vont avoir des sens. Et donc, du coup, moi, ce que je veux dire par rapport à Nouvelle-Zélande, par rapport à tout ça, c'est que le jeu au pied fait partie intégrante de ce qu'ils ont, de ce qu'ils vont mettre. Beaucoup sur ce qu'on a évoqué à la fin sur le fait d'agir sur le, sur l'équipe pour se créer des espaces et de les utiliser à la main aussi. Ils ont un gros focus sur la réalisation technique. Où le joueur, s'il veut pouvoir s'exprimer, a besoin d'être bon techniquement parce que les autres seront meilleurs que lui quoi qu'il arrive sinon. Et ils ont des mots clés. Moi, je me rappelle quand je jouais là-bas, il y avait accuracy, accuracy, accuracy. C'est vraiment le fait de réaliser le geste toujours de la bonne façon. C'est quelque chose qu'ils ont en eux et qu'ils travaillent. Alors, bizarrement, ils ne le travaillent pas forcément. Et je vais revenir un peu à tout ce que je dis depuis le début. Ils le vivent. Ils le travaillent tout petit dans le jardin derrière. Ils le travaillent à la pause déjeuner à l'école où ils ont des ballons partout pour jouer. Ils le travaillent avant l'entraînement. Il n'y a personne qui arrive à l'entraînement les bras croisés et passe son temps à discuter au milieu de terrain. Ils arrivent, ils prennent le ballon, ils s'entraînent à faire des choses. Alors, c'est formel ou informel, c'est des passes, c'est des trucs, c'est des jeux au pied, c'est des passes de neuf. Voilà, tout est fait pour que quand l'heure et demie qui passe sur le terrain, elle soit effective, quoi, vraiment. Donc, voilà, pour résumer, pour moi, le jeu au pied, des fois, expérience difficile. Peut-être que je jouais trop tôt. J'aurais préféré être dans des systèmes, de, comme on a évoqué aujourd'hui, de stratégie, de philosophie d'équipe, où ben, effectivement, le jeu au pied fait partie intégrante de la chose et du coup est vécu par tout le monde. Et tout le monde porte la même charge sur, lui de la réussite de ce plan, avec forcément le botteur qui a la responsabilité de la réalisation technique. Ça, c'est bien sûr toujours à la fin. Et puis pour aller en Nouvelle-Zélande, pour revenir sur le sujet de la Nouvelle-Zélande, on est vraiment sur une... Il y a quelque chose qui est intégré à la globalité de la chose. On n'aura jamais une équipe qui va avoir, comme les Anglais, son fonds de commerce fait sur ça. Mais par contre, ça fait est mis en place au service du fonds de commerce, du mouvement, de l'efficacité et tout ça. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée dans tout ça et ça vient aussi du foot en Angleterre. C'est la loi des 90 secondes. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Sur le fait que je crois que c'est Mourinho quand il était à Chelsea. Je ne veux pas dire de conneries. La loi des 90 secondes, c'était toutes les équipes qui gardent le ballon à la main plus de 90 secondes, enfin, qui veulent créer pendant 90 secondes. Dès qu'on passe cette barrière-là, on commence à s'engluer et on commence à se mettre en danger de contre-attaque. Donc, c'est aussi comment l'intégrer là-dedans. C'est-à-dire qu'on a joué 5-6 temps, rien ne se passe. Comment est-ce qu'on fait pour renverser la pression ? Le jeu au pied, c'est vraiment de l'entreprise dans cette forme-là. Mais c'est aussi, et Johan peut-être pourra le confirmer, c'est que tout ça, ça déstabilise l'adversaire. Et puis après, quand les coups sont là, on les joue, quoi. On n'est pas, je pense qu'ils ne veulent pas gagner tous les matchs 12-9 comme nous, on faisait à l'époque à Ohio. Je me rappelle encore des réunions d'avant-match où Christophe Urios nous disait, vous inquiétez pas, aujourd'hui, on va gagner 15-9. Et ça n'allait pas plus loin, mais alors Christophe a évolué par rapport à ça. Ça a changé. Et puis Oyo est pas rigolo quand ils sont dans leur zone d'utilisation du ballon, hein, aux 30 mètres là, et que ils veulent te faire du mal, ils sont pas rigolos. Et pour en revenir par rapport à Nouvelle-Zélande, du coup, on a ça aussi, c'est que certes on met le jeu au pied, mais moi tout à l'heure je parlais des deuxièmes ballons, c'est-à-dire que si on a un jeu au pied qui est mis, on a coincé l'arrière dans un coin, si lui doit rejouer au pied, qui rate le jeu au pied, là il y a toutes les opportunités qui s'ouvrent. Je reviens encore sur Briac, hein, il a aussi un clip sur les mismatch, c'est-à-dire jouer sur les joueurs faibles, quoi. Donc et créer de voilà, donc dans le jeu au pied c'est pareil. Ok, merci Régis, si tu as fini on laisse conclure Johan. Merci à tous encore, hein, c'était super. Johan, on te laisse le mot de la fin avant l'apéro. Moi, j'ai plus parlé au nom, donc pour les éducateurs, on va dire, des écoles de rugby, pour les sélections régionales, départementales. Donc, comme a dit Régis, en fait, c'est pas tellement la technique le plus important, mais il faut quand même le travailler pour le jeu au pied. C'est-à-dire que
pour le travailler, il faut donner goût au joueur, qu'il ait envie de travailler. C'est impossible de dire à un joueur, pendant une semaine, tu vas aller taper 2 heures par jour. Il ne le fera pas s'il n'a pas envie. Donc, eux, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, ils ont déjà cette culture de vouloir travailler seul, d'aimer. En France, on ne l'a pas beaucoup. On l'a beaucoup moins. On est peut-être un peu plus feignant. Je dis ça parce que on a eu un objectif pendant un match. Je vais donner une petite anecdote. C'est que quand on a joué à Aix-en-Provence, on avait un objectif. C'était que tous les joueurs derrière devaient au moins faire un jeu au pied pendant le match. Tous les joueurs. Et en fait, on gagne le match et on a super bien maîtrisé avec le jeu au pied. Et on a eu donc l'ailier Aurélien Calandré qui a joué au pied, qui a fait un super jeu au pied. Et en fait, il s'est dit, ah, mon jeu au pied était bon, c'est bien passé. On s'est retrouvé à l'entraînement, tout le monde à vouloir s'entraîner à jouer au pied. Tout le monde. Et en fait, de ce fait, on sait que tout le monde peut jouer au pied, donc tout le monde peut mettre la pression. Ce qui est important donc, pour les éducateurs des écoles de rugby, des sélections départementales, régionales, si on met en place, donc tout dépendra après de votre philosophie que vous voulez mettre en place, si vous voulez mettre cette philosophie en place, il faut donner goût aux jeunes de vouloir travailler, de vouloir jouer au pied. Parce qu'on dit que la technique n'est pas le primordial, c'est plus le mental et ce qu'on a envie d'en faire. Mais c'est sûr que si un jeu au pied est extrêmement bien réalisé, c'est beaucoup plus agréable de jouer avec ça. C'est un peu ma conclusion au niveau du travail de mettre en place. Parce que pour moi, cette philosophie va être de plus en plus utilisée. On l'a vu au fil de la saison contre les équipes contre qui on jouait. Les matchs allés, il n'y avait aucun jeu au pied. Les matchs retour, ils utilisaient 2-3 fois plus le jeu au pied. Et ce qui nous mettait en difficulté. Donc, voilà, c'est un détail que je peux donner, qu'il faut quand même travailler ce jeu au pied, qu'ils prennent plaisir. Donc, comme a dit Régis, on voyait en Nouvelle-Zélande, ils sortent à midi des cours, ils prennent un ballon, ils vont jouer au pied. Je pense qu'en France, ça n'existe pas. Mais si on arrive à mettre ça en place, on va progresser donc, techniquement. Et si on arrive à avoir cette maîtrise technique, cette maîtrise mentale, donc d'avoir envie de mettre la pression tout le temps sur l'adversaire, c'est sûr qu'on aura un résultat positif à chaque match. Je ne dis pas même de gagner ou de perdre, mais il y aura un résultat positif à chaque fois. Parfait. Voilà. J'aime beaucoup cette conclusion avec deux visions, deux cerveaux, même de 10. Hein. La première, Régis nous dit qu'il faut donner du sens, entre guillemets. Et en Nouvelle-Zélande, il se trouve que le sens, les joueurs l'ont naturellement parce qu'ils comprennent le jeu. Pour s'approprier une forme de jeu, pour s'approprier un modèle, il faut comprendre le jeu. Je pense que les joueurs néo-zélandais, même tout petits, sont beaucoup plus dans la compréhension du jeu, donc du sens des choses, et notamment du sens qu'on donne au jeu au pied. Et tu nous dis, et on conclut là-dessus, qu'il faut donner goût aussi à nos petits joueurs de jouer avec leurs pieds aussi et attaquer des espaces avec le pied et tout ça. Donc, super conclusion, les garçons. Merci à tous. On coupe là. Vous êtes en relation les uns avec les autres. C'est open bar. Briac est dispo pour tous ces sujets. Et puis, au plaisir de tous vous recroiser, vraiment, quoi. Super. Merci les gars, c'était top. Au revoir, merci. Merci. Ciao. Au revoir. Bon apéro. Ciao, ciao.